nous dit, voici un Dieu créateur élevé. Qui peut monter à sa montagne? Qui peut s'approcher de Dieu? Et il répond ensuite avec quelque chose de rassurant. Vous savez, parce que parfois, on cherche tout plein de moyens pour essayer d'accéder à Dieu. Il y en a qui disent, ben moi, pour m'approcher de Dieu, pour accéder à Dieu, je vais prier 4 fois par jour. Je vais jeûner 1 fois par semaine. Je vais lire la Bible. Tant de pages par jour. Il y a des gens qui ne savent plus quoi faire pour essayer de s'approcher de Dieu. Et j'aime que le texte ici nous dit que la question, ce n'est pas de savoir comment s'approcher de Dieu. Ce que tu as besoin d'apprendre, c'est comment ouvrir la porte, parce qu'il est déjà là. Toi, tu cherches, il est déjà à la porte et il frappe. Toc, toc, toc. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Il y en a qui courent comme des poules sans tête partout à la recherche d'un miracle, à la recherche d'un signe de Dieu. Alors que depuis un certain temps déjà, ça frappe à la porte. Tu n'as pas besoin de chercher, tu as juste besoin d'ouvrir. Tu as juste besoin d'ouvrir. Juste besoin d'ouvrir. Et voici ce qui est intéressant, on nous dit, qui est ce roi de gloire? Et on nous mentionne un nom de Dieu. Vous savez que Dieu, il a plusieurs noms. Hein? Dieu, il a plein de noms. Si on pouvait voir le passeport de Dieu, l'Éternel, a.k.a. Jéhovah, a.k.a. Ça serait long, je pense qu'il y aurait quelques pages juste pour mettre son nom. Et on nous dit ici, le nom qui a été choisi par le psalmiste, c'est l'Éternel des armées, le Dieu puissant et fort, fort dans les combats. Dieu frappe à ta porte et ce n'est pas n'importe quelle bénédiction qu'il apporte avec lui. Il apporte la bénédiction de la victoire dans tes combats.